Eh bien, salut. Ok, pourquoi pas. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, bon, apparemment, il me demande de payer 1 million. Aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, je vais payer 1 million, apparemment. Pour une petite vidéo, en fait, où j'achète, en fait, des packs métiers. Donc là, apparemment, il doit connaître tous les... Donc là, j'up, effectivement, paysan 20. C'est incroyable. Il est quelle heure? Il est 14h14. Et là, vous allez assister en direct en fait à tout simplement une commande que j'ai fait. Alors, je fais cette vidéo pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que je ne connaissais pas cette astuce-là, le fait d'inviter. Moi, j'ai toujours lancé échange. Et en fait, là, c'est hyper rapide. Regardez, en 2 secondes, il est toujours 14h14 et je suis toujours. Je suis déjà paysan. C'est une dinguerie. Donc, en fait, je fais cette vidéo bah, tout simplement pour vous dire que j'ai trouvé un site. Qui s'appelle dofups.fr. Enfin, c'est un abonné, enfin, c'est même plusieurs abonnés qui m'ont conseillé ce site-là. On m'a pas payé hein, pour faire le. On m'a pas dit de faire une pub ou quoi. Je le fais de moi-même. Parce qu'en fait, je trouve le site, il est super bien fait. Dedans, tu peux te faire PL, t'as des commandes FM, songes infinis, des trucs que je connaissais pas du tout. Enfin, je savais même pas que c'était possible de payer. Bon, les packs élevages, je savais. Mais pack métier, je savais pas qu'il y avait un site pour ça. Pour le PL, bon, c'était assez connu, passage de donjon. Mais en fait, il y a tout. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était le pack métier. Et du coup, là, hop, on choisit son serveur. Mais vraiment, on m'a pas demandé de faire une pub ou quoi. Juste, en fait, je le fais de moi-même. Parce que je pense que ça pourrait servir pour certains d'entre vous. Alors, moi, concernant le PL de. Le PL XP, moi, jamais de la vie, je paierai quelqu'un pour qu'on me PL. En termes d'XP, mais par contre les packs métiers, j'ai 8 persos et en fait ce serait vraiment hyper cancer de monter là je lui demande je paye combien, donc il y a un paiement avant en partie, on a pu voir juste avant j'ai payé 1 million, donc il me demande de payer petit à petit, après moi je m'en fous le type, donc c'est D.A.O. Je vous mettrai son Discord parce qu'il a il a un Discord en fait. Et c'est vachement sécurisé en fait. Et donc bah tout simplement les gars, franchement j'ai été étonné. Alors moi je fais ça encore une fois, je vous le répète, tout simplement parce que j'ai cette voilà, j'ai cette perso à monter là pour le Vulbis. Donc là je tourne cette vidéo, on est le 5 décembre, hein, hier je vous avais fait une vidéo. Et effectivement je vous avais fait une vidéo par rapport au Vulbis. Et donc là, dans la logique des choses, le Vulbis, j'espère l'avoir ce soir. Là, il me reste 3 petites quêtes. Il n'y a rien de fou en vrai. Hein. J'ai regardé les quêtes, en vrai, il n'y a vraiment rien d'incroyable. Mais donc, tout ça pour vous dire que, voilà. Franchement, ouais, je vous mettrai. Attendez, bah, son Discord, je l'ai de toute façon sur mon tel. On a pu discuter, franchement, c'était hyper rapide. Vraiment, il y a pas mal de gens en fait qui font ça, qui font des packs métiers comme ça. Alors, il faut savoir que le prix à la base du pack métier, je me suis renseigné, bah, de toute façon je peux vous le montrer ici. Donc vous allez ici, hein, vous allez par exemple ici, type d'offre. Hop, bon sur téléphone c'est un peu différent, j'ai regardé sur téléphone, mais par exemple moi là je prends un pack. Là par exemple dans cette vidéo les gars, c'est combien le reste? 2 millions 5 je crois. Dans cette vidéo par exemple là je. Alors ma crate est déjà ses métiers hein, pour la quête Vulbis. J'ai déjà paysan alchimiste de sang. Soit il me faut un des deux sur mes mules. Mais du coup dans cette vidéo là je vais prendre tout simplement 3 paysans. Comme ça j'aurai 4 paysans dans ma team et 4 alchimistes. Donc le reste je vais prendre 4 alchimistes. 3 paysans, 4 alchimistes dans cette vidéo. Donc le prix du pack, comme on peut le voir ici. En fait moi je trouvais quand même assez cher parce que je crois qu'il y a encore. Alors je sais plus, il y a peut-être un moment. Mais il me semblait qu'à un moment les packs c'était 5 millions. Mais apparemment les prix ont up. Mais du coup là on peut voir sur le site c'est quand même 7 millions 5. Et en fait on peut voir voilà qu'il y a pas mal de joueurs. J'ai pu également discuter avec Chonsky qui proposait des tarots. En fait, ils proposent tous les mêmes tarifs. Ils sont tous plus ou moins alignés dessus. Ils font tous plus ou moins à 7 millions 5. Diaou, donc lui, c'est Nassim. N'hésitez pas à aller le contacter, les gars. C'est lui en fait C'est lui tout simplement. Alors, c'est cuir. Voilà. C'est lui en fait, bah, tout simplement, qui m'a fait le prix de 6 millions 5. Alors. Il m'a fait 6 millions 5 au lieu de 7 millions 5 tout simplement parce que j'ai 7 persos.
J'ai 7 persos et du coup il m'a fait quand même une bonne réduction. Là regardez, là je vais à 180 je pense. Ouais, qui m'a fait une bonne réduction hein, de pas mal de Kama. Là j'ai 170, ok. Et du coup bah les amis, voilà, tout simplement. Voilà, c'était vraiment une petite vidéo pour vous dire. Bah en fait voilà, les packs métiers du coup ça coûte un petit peu de Kama. Hein. On peut voir que moi là dans cette vidéo je m'apprête à débourser, pour ceux qui ne comprennent pas, je m'apprête à débourser la somme de 45 millions 5 de Kama. Mais il faut savoir que en termes de pain, d'ailleurs c'est lui qui récupère le pain, je sais pas s'il va me le rendre effectivement. Je vais lui demander, c'est vrai que ça j'ai pas demandé, mais logiquement. Donc là je vais du coup 200. Ok super. Donc là j'ai même débloqué du succès. Alors du coup les pains apparemment il les rend pas. Ok bon bah effectivement faut bien qu'il se fasse une marge de bénéf. Ouais je comprends. Pas de soucis. Bah de toute façon je m'en fous en vrai, je vous cache pas. Je suis pas à ça près. De toute façon j'ai encore mes pas mal de camas. Du coup ok. Après moi je vous cache pas, de toute façon en vrai j'ai la flemme. De toute façon les camas je vous assure c'est même pas ce qui manque. Là en fait à la limite là si j'avais gardé le pain, je me serais rentabilisé 2 millions de camas. Je me à peu près j'aurais revendu pour 2 millions par perso. Donc x7 ça aurait fait 14 millions de récup. Mais en soi, c'est pas... Je m'en fous. Je vous le dis honnêtement. Parce qu'en fait, les Kamas, je vous assure, avec une team de 8, c'est free. Et moi, là, je vous cache pas. Bon, bah, tant mieux, hein, ça. Là, du coup, on a le Yop qui est en... Tac, 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 tac. Le Yop, bah, du coup, là, qui a gagné pas mal de pods. Bon, après, le Yop, il est terre. Donc, c'est pour ça que j'ai 12 000 pods. Mais, en soi... Bah, après, les gars, vous pouvez aller acheter en HDV, hein. Vous pouvez aller acheter en HDV, de toute façon pour vous ça serait plus rentable parce que vous revendrez le pain. J'ai pu discuter comme je vous l'ai dit avec Chonsky qui m'a dit que le prix actuel, il m'a montré un screen, hein, le prix actuel du up, par exemple paysan 1 à 200, ouais je vais donner le tout, j'ai la flemme. Go 6 millions 5 direct. Le prix en fait actuel du paysan c'est 7 millions 6. Donc concrètement les gars, lui là il me fait payer 6 millions 5 au lieu de 7 millions 5. Et c'est vrai comme il a dit, son seul bénéf c'est en fait c'est la revente de pain. Parce qu'en fait lui actuellement pour 6 millions 5 il gagne même pas de kama en fait. Limite il gagnera des kamas sur la revente de pain. Donc je comprends tout à fait qu'il garde le pain, faut pas non plus abuser. Mais bon, voilà. Donc là, on peut voir que là, je up sur mon panda. Qui vient de passer, qui est en train de passer paysan 60. Mais voilà, franchement, juste gros big up, hein, mais merci tout simplement. Bah, en fait, il m'a fait un prix, comme je vous l'ai dit, j'ai pu discuter avec Chonsky qui, très rapidement, ça a été 2-3 messages très rapides. Qui lui-même m'a qui était étonné. Désolé si je vais écrire une petite pas une dispute, mais Chonsky qui m'a dit qu'il était étonné de voir que quelqu'un puisse proposer à 6 millions 5 le pack. Parce qu'en fait à 6 millions 5, il le sait lui-même, t'es en perte. En fait t'es en perte sur la revente du pack, mais en fait tu gagnes un petit peu de kama. Je pense qu'il doit se faire 1 million de kama par perso là, Nassim. Donc son Discord je vais vous le donner, excusez-moi, je vais vous le donner pour ceux qui veulent. Bah attendez, au pire je fais une pause et je vous le montre directement à l'écran. Re les gars, donc voilà son Discord. Alors du coup son Discord c'est ça en fait. Enfin c'est lui, après il est complicado, hein. Il a mis je sais pas des sortes de logos bizarres. J'essaierai de vous le mettre dans la description. Sinon au pire des cas vous pouvez le contacter in-game. Bah de toute façon in-game son pseudo c'est ça, hein. C'est D-I-H-A Woo, donc W-O-O. Donc au pire des cas les gars vous pouvez le contacter in-game. Ou bien son Discord c'est ça, après essayez de le retrouver comme vous pouvez. Mais voilà, franchement rapide et efficace, pas d'arnaque. En tout cas je sais qu'il a des packs métiers de ce que j'ai vu sur le site.
il a des packs métiers alchimiste, il a des packs métiers paysan. Et donc bah voilà, encore une fois je le dis et je le répète, en tout cas lui il m'a fait à 6,5 millions. Chonsky, je sais qu'il m'avait proposé à 7 millions et qu'il pouvait pas vraiment aller en dessous parce que c'est vrai que sinon le bénéf était trop faible. Maintenant, moi je prends pas un pack, j'en prends 7, donc c'est entre guillemets logique qu'il y ait une certaine réduction. Tac. Mais du coup, voilà. Bah après, vous, si vous avez la force avec votre team de 8 d'aller monter vous-même sans même acheter les ressources, d'aller. Parce que c'est vrai que moi j'ai ma crate hein, qui est paysan et alchimiste. Mais moi j'ai pas la force. Moi j'ai pas la force de monter 7 paysans de sang ou 7 alchimistes de sang. Ça c'est mort pour moi. Et donc bah pour moi c'est un gain de temps. Maintenant là je vais claquer 45 millions. En toute honnêteté je suis pas à ça près. Vraiment, même si j'ai 300 millions, je claque un sixième de ce que j'ai. Mais en réalité, bon, j'ai encore des succès à accepter. Regardez, regardez les kamas des quêtes alignement quoi. Regardez ça, 500 000 cas, j'ai même pas encore accepté les kamas des quêtes alignement. Vous en faites pas, de toute façon bientôt il y aura un road to milliard. En plus ma team ça y est maintenant, elle est au petit. Je dépense quasiment plus de kamas en fait en ce moment. En plus là il y a le Vulbis qui arrive. J'espère vraiment que le Vulbis j'espère vraiment qu'il va arriver rapidement. Enfin aujourd'hui logiquement. Mais voilà, c'était juste une petite vidéo voilà pour faire une petite pub mais qui vient juste vraiment de moi. Une petite pub petite pub pour le site d'Ofups. Pour le site pardon d'Ofups. Donc que je vous ai montré ici. Vraiment. Bah après si jamais vous êtes intéressé, moi je force personne. Moi j'ai découvert là, on est en décembre 2022, bientôt en 2023. Et là je up du coup paysan. Et c'est trop beau. Et en plus bah du coup ça me fait des succès en plus. Mon panda qui passe à combien? Eh ouais, je rattrape la crate, hein. Il y a plus que 100 points d'écart. Bon bah là il est parti chercher. Go, dernier pack paysan du coup. Mais voilà, après bien sûr si jamais vous n'avez pas les moyens, bah montez tout seul, hein. Vous voulez que je vous dise quoi? Moi j'ai les moyens et je peux me permettre de le faire. Ma team maintenant est suffisamment assez au petit PVM on va dire. Je suis au petit tout court, je suis full exo PAPM, il n'y a aucun souci là-dessus. Je peux me permettre de claquer 45 millions. Sachant qu'il faut pas oublier un truc, c'est que le Dofus Vulbis, alors la dernière fois que j'ai vu son prix, c'était 45 millions. Donc en soi, vous faites x8 en termes de prix, les gars, je vais récupérer 360 millions de valeur pour le Dofus Vulbis. Donc au final, c'est moi qui suis largement rentable dans cette histoire, sans parler des quêtes qui me rapportent énormément de kama. Mais voilà, bah écoutez, voilà, donc là je vais claquer 45 millions 5. Honnêtement, pour 8 Dofus Vulbis, je signe tout de suite. Hein, parce que, clairement, les Vulbis, c'est inestimable en vrai. Je vous l'ai dit, en vrai, je récupère ça. Regardez, là, le Vulbis, je crois qu'actuellement, je crois qu'il vaut 45 millions. Donc là, hop, regardez, je paye avant. Alors moi, je paye avant, maintenant, moi, parce que je vous le dis, je m'en fous en fait. Maintenant, vous faites quand même attention aux gens. Lui, le type, je le connais pas, hein, mais... faut savoir que généralement, ceux qui sont sur le site là et qui ont des bons avis, vérifiez toujours ceux qui ont des bons avis, des bonnes notes, parce qu'il faut savoir que c'est un site très complet. Il y a les prix, il y a le métier, il y a tout simplement... il y a les avis des gens, par exemple, bah, regardez, on va aller sur... Bah, tiens, Nassim, celui qui est en train de me vendre ses packs métiers, hop, on peut voir que voilà, il y a les dates... Il y a les dates tout simplement avec des étoiles, voilà, toujours efficace, rapide, efficace. Donc c'est vraiment un truc qui est vraiment pro, qui est vraiment professionnel. Maintenant, bon, ceux qui veulent acheter du PL dessus, allez-y si vous voulez. Moi de toute façon, je vous parle surtout des packs métiers dans cette vidéo. Le reste ça m'importe même pas, hein. Mais il y a vraiment de tout. Alors on peut voir que là il a des packs alchimistes, bricoleurs, bûcherons. Ah ouais, en fait, il a pas mal de packs, hein. Pas mal de packs métiers. Bon, sur Server Grid, maintenant, ça s'appelle, voilà. Imagiro, mais là, on peut voir, regardez, par exemple, ses avis. Voilà, il a 22 avis positifs, 0 neutre et 0 rouge. Donc ça, c'est un très bon ratio. Après, de ce que j'ai pu voir avec Chonsky, j'ai l'impression qu'il a beaucoup plus d'expérience. Enfin, il a depuis plus longtemps, je pense. 262 avis positifs, 0 neutre et 0 rouge. Donc, Chonsky, on me l'a conseillé, hein. Il y a des abonnés...
plusieurs de mes abonnés qui m'ont dit ouais, demande à Chonsky, il a pas mal de de packs. Je fais juste une petite pause les gars, je vous dis à tout de suite. Ok re les amis, donc paysan c'est bon, c'est fait, j'ai monté paysan sur Yop Panda et Ni. Du coup là je vais monter en fait alchimiste sur les quatre autres persos, donc The Ball, Enu et Feka Roblar. Alors tout de suite on va me poser la question suivante, Joy, pourquoi tu fais 4 et 4 et pas 8 par exemple, 8 paysans ou merde, 8 paysans ou par exemple 8 alchimistes, enfin 7 paysans ou 7 alchimistes. Bah en fait c'est tout simplement parce que comment dire, en fait si vous voulez la quête Vulbis, il faut récolter des trucs, des ressources, je crois que c'est des anémones de sang, et en fait ça serait plus long d'avoir 8 en fait, parce qu'il y a un temps de repop. Par exemple si j'ai 8 alchimistes, ça serait long d'attendre le repop pour récolter les ressources avec 8 alchimistes, alors que là 4 paysans et 4 alchimistes, en fait je serais deux fois plus rapide. Parce qu'en fait si vous voulez il faut récolter des salicrones et des quinoas, il me semble que c'est ça, dans l'archipel de Croco, Cusco, une connerie comme ça. Donc c'est pour ça qu'en fait là je fais 4 paysans, 4 alchimistes. Même si je sais, les amis, c'est pas la peine de me répéter, mais je sais que pour le Dofus et Ben, il y a un prérequis, c'est avoir paysan niveau 80 ou niveau 100 mini. Mais ça, niveau 80, on s'en fout, ça coûte vraiment rien à up. Donc ça, je le ferai quand je ferai le Dofus et Ben éventuellement. Bah, puisque c'est sûr que je vais le faire. Mais je sais pas quand, parce que ce mois de décembre, il va être principalement lié à l'île de Noël, en fait. Ouais. Mois de décembre, là je vous dis tout de suite, hein, là ce soir, Inch, j'ai le Dofus Vulbis, il est 14h30, j'ai 3 quêtes à faire. En vrai, j'ai regardé ce qu'il y avait dans les 3 quêtes là, il n'y a pas grand chose. J'ai vraiment fait le plus dur dans le Dofus Vulbis. En fait, j'ai fait le plus dur et le plus long, à savoir Parangon et Songe. Maintenant, c'est de l'eau. Donc, ouais, non, généralement, bon. Au pire des cas, même si j'ai pas le Vulbis ce soir, je serai sûrement au dernier combat final là contre, je crois c'est un Maître Rosa ou je sais plus qui là. Au pire des cas, je l'aurai demain. Le souci c'est qu'en fait demain il y a la maintenance, demain il y a la mise à jour, demain il y a l'île de Noël qui arrive, plus il y a la nouvelle classe là, Forge Lance je crois. Donc demain en fait le souci, j'ai l'impression que les serveurs ils vont pas réouvrir avant je sais pas quelle heure. Et ça c'est hyper méga frustrant en fait parce que. Bah en fait il me faut le Vulbis aujourd'hui quoi. Mais j'ai bien peur de l'avoir demain parce que... Je sais pas, on verra de toute façon. Mais en tout cas j'ai hâte. Enfin bref les amis, moi je vais vous laisser là. Je vais vous laisser là puisque en réalité... là voilà, j'ai montré ce que j'avais à montrer dans cette vidéo. Mais voilà en vrai par rapport à ce pack... y a vraiment tout quoi. Il y a tout. Donc pack métier, pack élevage... Du PL, commande FM, songe infini, c'est une dinguerie quand même. La vache. Mais voilà, en tout cas, moi je vous laisse ici. Bah écoutez, n'hésitez pas à MP Diaou, hein, si jamais vous voulez une commande. N'hésitez pas à le MP lui. Parce que bah écoutez, là je vous le montre et je vous le prouve dans cette vidéo en direct. Hein. Y a pas d'arnaque quoi. Maintenant, faites attention aussi. Ne faites pas les débiles, dans le sens si vous avez 5 millions de Kama et que vous prenez une commande à 5 millions, essayez de négocier un paiement avant-après. Là par exemple lui il m'a dit ouais tu payes 1 million pour la partie là, ensuite tu payes 3 millions, je lui ai fait ça pour le Yop, mais après flemme, après moi je fais pour le reste de mes persos là sur ma crate j'ai payé tout d'un coup. Par perso hein, je veux pas non plus lâcher 40 millions d'un coup, mais je lui ai payé 6,5 millions là par exemple pour le The Ball par exemple. 6,5 millions avant. Et puis voilà, en vrai, tout se passe très bien. Là, en soi, pour moi, tout le monde est gagnant. Les gens, ils vont me dire, ouais, Joy, tu récupères pas le pain et tout, ou les potions pour les revendre après. Et voilà, chimiste de sang. Sur mon The Ball, vous voyez à quel point c'est rapide, ça prend 2 minutes, c'est incroyable par perso. C'est un gain de temps. En fait, je sais qu'il y a des gens qui ont dit, ouais, Joy, ça serait mieux si t'achetais HDV, même si t'en avais pour 7,5 millions, tu récupérerais peut-être un peu plus de 2 millions de pain. Ouais, mais en soi, les gars, je suis pas à ça près, même si en soi, là, j'aurais pu récupérer peut-être, allez, 8, 10, 12 millions de Kama.
en pain ou en potions, déjà il faut les revendre. Parce que ça fait une énorme quantité, à moins de les garder pour la team, et c'est aussi pas mal. Mais en soi, tout le monde est gagnant, vous vous rendez pas compte? Parce qu'en soi, son pack à lui, comme je vous l'ai dit, il vaut à peu près 7,6 millions, moi il me le fait à 6,5 millions. Donc il me fait une petite réduc, donc c'est cool. Une réduc de 1 million sur 7 persos, ça fait quand même 7 millions de récupérer, c'est pas rien. Et donc, lui il se fait du bénéfice avec le pain et les potions qu'il revend. Sauf que voilà, moi clairement, c'est un gain de temps énorme. Monter 7 paysans ou 7 alchimistes, c'est. Non merci. Je veux dire, si je le monte moi-même, que je vais faucher moi-même, déjà que c'est rempli de bottes. Donc, faut savoir que les prix sont amenés à évoluer. Déjà, les prix ont déjà un petit peu. Enfin, ont déjà pas mal évolué. Les prix ont déjà pas mal évolué, puisque je crois qu'il n'y a pas si longtemps. Je crois que c'était 5 millions, je crois. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous y connaissez un petit peu en prix de pack métier. Mais là, 6,5 millions, moi, ça me paraît un peu cher. Mais je pense que c'est à cause de l'influence des bots, en fait. Tout simplement, qui prennent tout. Donc, c'est amené peut-être à encore augmenter. Actuellement, le prix du pack, il est à 7,5 millions. Moi, dans cette vidéo, vu que j'ai 7 persos, il me l'a fait à 6,5 millions. Donc, j'en suis ravi. Mais... Mais clairement, ça se trouve dans quelques mois, le prix du pack paysan ou alchimiste, par exemple, ça se trouve, il va augmenter à 8 millions. Ensuite, 8 millions 5, peut-être 9 millions, je sais pas si ça atteindra ces prix-là. En tout cas, il y a aussi les packs, je me suis renseigné sur des packs façonneurs, je crois que c'est 30 ou 45 millions le truc. Il y a aussi des packs mineurs, je crois que c'est 17 millions ou plus. Enfin, les prix sont très élevés, il faut savoir que paysan alchimiste, ça fait partie, je crois, des prix quand même les moins chers. Enfin, quand tu compares avec mineur, tailleur, façonneur, pourtant c'est normal. Il y a énormément d'autres métiers qui coûtent ultra cher. Les métiers de craft, ça coûte quand même ultra cher à monter. À monter 1 à 200. Enfin bref, les amis, j'espère que cette petite vidéo. C'était une vidéo chill, une vidéo un petit peu informative. Je voulais voilà, vous parler de ça, quoi, de ce site-là. Si jamais vous le connaissiez pas, et bah, j'espère grâce à moi que je vous aurai appris quelque chose. Moi, je suis pas là pour vous inciter à faire du PL, à vous faire PL et tout. Moi, je vais pas dire que je déteste le PL parce que. Enfin. En fait, le PL, il a évolué. Le PL, il est plus comme avant. Là, le PL, c'est devenu n'importe quoi à cause des idoles et plein d'autres trucs. Notamment d'XP incroyable que tu prends à travers... Même les songes, hein, l'XP, n'importe. C'est devenu du délire. Mais moi, je vous donne juste un site qui, là, est en train de m'aider dans le sens où je gagne énormément de temps. Moi je sais, je vous le redis, je l'ai dit en début de vidéo, je paierai jamais pour du PL parce que j'en ai pas besoin. J'estime que moi si je monte une team de 8, c'est pas pour acheter acheter du PL et me faire PL, ça n'a aucun intérêt. Là je pars du principe où je monte une team de 8, je peux la monter moi-même à 1-200, le souci n'est pas là. Moi c'est surtout le pack métier, parce qu'en fait les packs métiers, sur un personnage, ça peut être fun de monter un métier. Mais sur une team de 8, allez monter 8 paysans à la main. Je vous regarde faire et vous allez perdre tellement de temps. Là certes je claque 45 millions, mais en réalité en termes de temps, avec une team de 8, les 45 millions je me les fais en quelques jours. C'est ça que je suis en train de vous dire en fait. Enfin bref, moi je vous laisse ici. Donc voilà, je vous ai tout donné en fait dans cette petite vidéo. Je vous ai même montré le Discord. Du coup, si jamais vous le voulez, je vous le remonte, c'est Nassim. De toute façon, in-game, pardon. Je vous ai montré in-game, son pseudo, Diaou. Si jamais vous voulez le contacter pour un pack, bah allez-y. Il est même pas au courant, je sais même pas s'il sait que je suis youtubeur, il sait même pas, peut-être que je sais que je... Enfin, il sait peut-être pas que je sais que je... Il sait peut-être pas que je filme actuellement. Attention, il va peut-être me balancer des droits d'auteur à la gueule. Mais voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous laisse ici, là j'ai encore les nus à terminer. Donc là, les nus qui va passer Alchimiste 200. En fait, ce qui est cool aussi dans cette vidéo, c'est que... Enfin, c'est que du coup, en plus de monter des métiers pour le Vulpis, donc x8, je gagne des pods, surtout de mes persos, je gagne aussi des succès là pour le coup. Après, pour moi, c'est un PL pack métier, mais en vrai, les métiers, les gars, sur une team de 8, c'est... J'ai même pas besoin de vous le redire, quoi, c'est infâme, quoi. Tu vas pas monter 8 alchimistes à la main, 8 paysans à la main, c'est... Ça serait une perte de temps et surtout, ça serait tellement pas fun. Je sais pas combien d'heures de jeu je mettrais à la main sans rien payer. Je suis beaucoup plus rentable à acheter un pack métier. Je claque 45 millions, ok, mais ça me permet d'éviter des centaines d'heures de jeu en fait à faucher et tout.
Donc clairement, en centaines d'heures de jeu, je peux t'assurer que mon gars, je fais je sais, des centaines de millions de kamas. Hein. En centaines d'heures de jeu, en team de farm, dans une zone ressource, je t'assure que je fais des centaines de millions de kamas. Enfin bref, je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous. C'était Joystick, à très vite. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.